Viens, allez, allez. Ah, non. Non, on va laisser de côté l'ennui, ma belle. Assieds-toi, ma princesse. Merci beaucoup, mon amour. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. C'est gentil. On va essayer de se souvenir du bon vieux temps quand on dansait comme des dieux. Tiens-toi prête. Ok, je suis prête à... Qu'est-ce que me préparait ma tante? Mon Dieu, je peux vous certifier que ça, c'est pas peu dire. Mais prends ton temps pour manger, personne ne va te prendre ton assiette. En fait, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas aussi bien mangé. C'est un délice, vous savez? Ouais, un vrai délice. Dis-moi, tu veux que je te serve une autre assiette? Ça te ferait plaisir? Ah, évidemment. Oui. Attends une minute. Selmira, donne-moi une autre. Une autre. Tiens, vas-y, régale-toi. Et prends ton temps pour manger. Oui, merci. Tu as vraiment un appétit d'ogre. Vous êtes vraiment un ange, madame, et j'ai l'impression d'être au ciel. Écoutez, je suis béni des dieux. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas? Samira, apporte-moi vite un verre d'eau. Dépêche-toi. Ce jeune homme est en train de s'étouffer. Mais non, t'inquiète pas. Surtout respire, ça va aller, ça va aller. Dépêche-toi. Mais c'est attends, pas vite, attends. Oh mon Dieu, ce jeune homme a fait un malaise. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu m'as acheté cette eau au visage que tu vois pas qu'il est en train de s'étouffer? Mais je voulais juste l'aider, moi. Mais enfin, tu vois bien qu'il est en train de s'étouffer. Mais je voulais juste l'aider. Nico, dépêche-toi, appelle Nico pour qu'il vienne nous aider. Bon, madame, je vous souhaite de bien vendre, que Dieu vous bénisse. Ah! Mais regardez qui voilà, Hector Lavoué, le meilleur chanteur de tous les temps, pas vrai? Ça va, mon vieux, tout va bien? Ça va bien, dis-moi, est-ce que tu aurais par hasard des informations au sujet de ce groupe, Sabrosura Nietzsche? Tu parles d'un hasard. En fait, il y a quelques jours de ça, j'ai justement vendu l'un de ses disques à un jeune homme, à un garçon qui est pianiste. C'est l'un de mes potes qui bosse au port, Amadeo. En fait, le truc, c'est que moi, je suis à sa recherche et aussi à la recherche des musiciens qui jouaient dans cet orchestre. Un plaisir. Ivan Moreno, chanteur, enchanté et également un chanteur. Je suis également enchanté. Saoul, non, mais tu sais que ce jeune homme, je ne l'ai pas vu depuis hier, car un type était à sa poursuite, j'ai cru qu'il allait le tuer. Ah, il m'est arrivé la même chose, mon vieux, qui sait ce que ce type a bien pu lui faire. Mais moi, en fait, je suis à sa recherche parce qu'au port, on a déjà un orchestre qui est vraiment bien, bien rodé. Eh bien, je suis vraiment désolé de ne rien pouvoir te dire parce que je ne l'ai pas vu depuis hier. Non? Non. Pourquoi on n'irait pas au club? On pourrait tous aller au sauna. Et se détendre un peu. Venez donc avec nous. Non, papa, non, on n'a pas du tout le temps pour ça. On a vraiment du pain sur la planche. Eh bien, je n'insiste pas alors. Quoi qu'il en soit, on sera là-bas si jamais vous voulez venir. Merci pour tout. Ciao, mon cœur. Ciao. Attends. Allons-y. Au revoir. Allons-y. Allons-y, mon amour. Ça te dirait que je te porte dans mes bras? Ok, allez, allez. Je te porte dans mes bras. Non, c'est merveilleux. Écoute, c'est peut-être mon père, je l'aime beaucoup, mais il agit vraiment de façon pathétique avec Luzma. Moi, je trouve pas du tout. Non, vraiment? Mais tu ne te rends pas compte? Bon sang, ce n'est pas que ça me déplaise vraiment. C'est drôle et tout ça, oui, c'est pittoresque, mais... Mais je n'apprécie pas vraiment l'attitude que peut avoir mon père tout le temps, tu sais? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas, en fait? Mais tu ne te rends pas compte? Il se lance à chaque seconde dans de belles paroles qu'il ne tient pas, en plus. Et à présent, il parle d'avoir un enfant. C'est du grand n'importe quoi. Non, franchement, mon père est beaucoup trop vieux pour ça, enfin. Tu vois, de mon côté, je trouve ça adorable et courageux qu'à son âge, il se sente toujours aussi vivant et qu'il ait vraiment envie de faire plaisir à sa femme. Tu vas remettre ça sur le tapis, oui, c'est oui, ça? Je vais remettre ça sur le tapis, tu sais. Et non, je ne cesserai pas d'aborder le sujet tant que nous n'aurons pas eu un enfant. Je ne sais pas pourquoi tu t'entêtes avec ça. Depuis le début, il était clair et net que nous n'aurions aucun enfant dans notre vie de couple. Qu'est-ce qui te prend?
Du coup, il va falloir que je trouve une solution drastique et définitive, parce que même si, lorsqu'on s'est mariés, j'ai accepté qu'il en soit ainsi, je me suis rendu compte que je me suis trompée. Et j'ai encore le temps d'arranger les choses. Du coup, à quoi est-ce que tu penses ? Eh bien, à te quitter. C'est une pièce unique, c'est une pièce de collection. En fait, c'est dommage qu'il n'ait sorti qu'un seul disque. Dis-moi, t'as déjà pu aller écouter le groupe Sabro Suranice ? Si j'ai déjà pu les écouter ? Cet orchestre, mon cher ami, cet orchestre a écrit l'histoire de la salsa ici à Bogota. Et non seulement à Bogota, mais dans tout le pays. Mais à vrai dire, c'est dommage qu'ils se soient séparés. Pourquoi ? Personne ne sait, mais ils se sont séparés. Dis-moi, est-ce que tu sais où je peux trouver les musiciens ? Écoute, pardonne-moi de te dire ça, mais pourquoi est-ce que ça t'intéresse ? Eh bien, en fait, le truc, c'est que je suis le fils de la chanteuse. C'est pas vrai ? Tu es le fils d'Amparito ? Oui, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, cet orchestre a écrit l'histoire de la salsa ici, dans le pays. Ils l'ont non seulement écrite grâce à eux, parce que ce sont de grands musiciens, mais grâce à la voix de ta maman aussi, si mélodieuse. Pardonne-moi, mais en fait, cette dame chantait et dansait comme une déesse. Écoute, je vais te raconter une chose, et pardonne-moi de te dire ça, en fait. En fait, nous, avec un groupe d'amis, on se réunissait à la Coriandre pour aller l'écouter chanter. Tu sais, cette dame avait une telle classe. À la Coriandre ? Oui. En fait, tu sais, c'est un endroit assez mal famé, mais bon. Ah. Et comment ils étaient, les musiciens, du coup ? Ça n'était pas de simples musiciens, mon ami. C'était de véritables monstres. Et le truc, c'est que moi, j'aimerais retrouver ces musiciens. Dis-moi, et alors, pourquoi cet intérêt ? Tu aimerais faire revivre l'orchestre ? Ben ouais, c'est dans mes projets, mais en fait, c'est quelque chose de personnel. Malheureusement, je ne peux pas te dire grand-chose, écoute. Le seul à venir me voir ici pour m'acheter ces disques, c'est cet homme, regarde. Le tigre. Tu sais, ce que tu es en train de faire, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau. C'est un caprice pur et simple de petit garçon trop gâté. Parce que la seule chose que te demande Lydia, écoute, c'est ce que n'importe quelle femme amoureuse demanderait à son mari, et bien qu'il lui fasse un enfant. Moi, je trouve qu'elle a été assez patiente avant de te demander ça. Tu sais quoi? Eh bien, c'est ça le problème. Je me sens beaucoup trop vieux pour me mettre à devoir changer des couches. Trop vieux? Mais regarde-moi, enfin. Non, non, en fait, toi, tu es un inconscient. Oui, tu es irresponsable, ce qui est différent. Ah, parce que j'arrive à satisfaire de cette façon une femme qui, en plus, est ma femme, que j'aime plus que tout au monde. Non, 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 écoute-moi, je n'ai pas l'impression. Mais en fait, ici, le seul à ne pas être normal, c'est toi. Comment peux-tu imaginer comme ça ne jamais ressentir le besoin d'avoir un enfant ? C'est un peu exagéré de dire jamais. Non, ne dis pas ça. Écoute, quand je jouais dans l'orchestre et que je sortais avec Amparo, on était bien ensemble, on avait évoqué la possibilité d'en avoir un. Ah, mais c'est qu'avec Amparo, c'est autre chose. Avec cette sublime blague, même un saint aurait pu succomber à la tentation. Cette femme était une beauté, une véritable déesse. Oui, c'était ma raison de vivre, tu sais. Écoute, le tigre, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu un gamin tous les deux ? J'ai commencé à faire n'importe quoi. Et quand Amparo est partie et qu'elle a disparu, j'ai touché le fond. Du coup, avec le temps, je me suis dit non, je ne peux pas avoir d'enfant. Faire naître un enfant en ce monde est une erreur. Du coup, ça veut dire que tu ne donneras un enfant à Lydia pour rien au monde, alors ? Non. Voici l'adresse du tigre, mon grand. Et tu sais comment est-ce que je peux me rendre là-bas ? Bien sûr que oui, mon vieux. Écoute, tu vas au coin de la rue. Viens, je t'accompagne. Tu vas au coin de la rue, tu passes devant un arrêt de bus. Arrivé là, tu te retrouveras juste en face du bureau de cet homme. Il faudra que tu demandes bébé Herrera, ok ? Mon ami, écoute, franchement, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon vieux. Il n'y a pas de quoi, mais il y a quand même une condition. Rends-moi service quand tu auras parlé avec cet homme. Reviens m'en parler juste pour savoir. Bien sûr que oui. Ok ? Prends soin de toi et mets de côté le disque d'Hector Lavoie, hein, parce qu'à mon retour, je vais l'acheter, ok ? Le fils d'Amparito. Bonjour, ça va ? Hey, vous avez une autorisation ? En fait, je me rends dans le bureau de Monsieur Roberto Jordan. Une petite seconde. D'accord. Tullia ? Tullia, en fait, il y a un type ici, eh bien... Comment vous appelez ? Ivan Moreno. Ivan Moreno, qui veut venir voir Monsieur Roberto, car il veut parler avec lui. Aïe, mais il a rendez-vous avec lui ? Est-ce que vous avez rendez-vous ? Non. Eh bien non. Ah non, je suis vraiment désolée, mais il va pas pouvoir le recevoir. Il ne reçoit jamais personne sans rendez-vous. Ok. C'est non.
car monsieur ne reçoit personne sans rendez-vous. Et si vous me laissez passer pour que je puisse prendre rendez-vous et tout ça, en fait. Écoutez, mon vieux, c'est vraiment très important. Sinon, je serai pas là. Rendez-moi service, d'accord? C'est une question de vie ou de mort, vous savez. S'il vous plaît. Hein? Voici l'argent. Diagini. Que Dieu vous bénisse. Salut, jeune fille. Alors, comment ça va? Salut. Diagini, ça c'est du poisson. Écoute, Diagini, on est venu rectifier l'inscription pour le concours de danse. Non, mais pourquoi ça? Ah, figure-toi que mon père va danser avec ma mère. Quoi? Oui. Dis-moi, et madame Amparo va vraiment danser? T'en doutes ou quoi? Les cuéros vont gagner ce concours haut la main. Eh bien, excuse-moi, jeune fille, mais toi, tu devrais participer parce que tu danses bien. Ouais. Tu danses comme une reine. Je sais, moi aussi je voulais danser, mais en fait, je n'ai pas de partenaire. Et pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Diamantino? Lui, il danse super bien. Diamantino? Oui, bien sûr. Du coup, je vais tout de suite aller le voir. Non, viens, mais attendez, merci. Votre jus de fruits. Non, je ne peux pas vous proposer un rendez-vous avec monsieur cette semaine. N'insistez pas. Et la semaine prochaine, alors? Non, non plus. Écoutez, en fait, il faut que je lui parle de quelque chose de très important et c'est très urgent. Ah, ça, c'est votre problème. Bon, et quand est-ce que je pourrais avoir rendez-vous, alors? Pas de place avant 2 mois. Comment? Non. Écoutez, c'est beaucoup trop long, je peux pas attendre autant. Écoutez, ça c'est votre problème. Et le vôtre aussi, parce que je pense pas partir d'ici avant d'avoir pu parler avec lui, vous entendez? Ah, eh bien, alors vous allez m'obliger à appeler le gardien pour qu'il vous fasse sortir de votre... German, venez ici pour m'aider à faire sortir ce jeune homme que vous avez laissé entrer. Amarte hace que todo se estremezca en mi interior. Tu haces que mi alma... C'est llené de calor. On a connu une baisse des exportations au premier semestre de 10%. Mais il n'y a aucune inquiétude à avoir. Page 2, nos alliances avec nos amis asiatiques. Ok, on va pouvoir commencer un gros travail. Écoutez, silence à présent. Taisez-vous, si vous ne voulez pas, j'appelle la police. Tout bien, rendez-moi service, appelez la police. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Ne vous inquiétez pas, monsieur Roberto, j'appelle la police. Non, attends, n'appelle personne. C'est toi qui étais en train de chanter cette chanson? Oui, monsieur. Et pourquoi ça, dis-moi? En fait, il faut juste que je vous parle, monsieur Roberto. Tu es chez moi ici. Comment tu vas? Mais qui êtes-vous? Je suis le mari d'Hortensia, la propriétaire du restaurant qui t'a servi ce bouillon qui a failli te tuer. Ah, ce délicieux bouillon. Eh ben, je sais pas ce qui m'est arrivé, je me souviens que j'étais en train de le savourer, j'ai commencé à me sentir très mal, et je suis tombé dans les pommes. Ce bouillon est une vraie tuerie, t'entends? Le truc, en fait, c'est que ma femme sait vraiment de quelle façon préparer cette soupe. Écoute, elle y ajoute son ingrédient secret, ses épices essentielles aphrodisiaques qui requinqueraient un homme. Ça booste, vraiment, ça te dézingue. Et si quelqu'un est un peu faible comme toi, ça peut même aller jusqu'à te tuer pour te dire « Elle me prépare une assiette de ce délicieux bouillon avant chaque match et du coup, moi, je ne laissais passer jamais aucun ballon, t'entends ?» Mais, mon vieux, mais du coup, vous êtes... Vous êtes le grand Unico, le gardien de but? Oh, mon Dieu, c'est pas vrai, vous êtes le grand joueur de l'équipe des Bleus. Le grand Unico, le gardien de but des Bleus. Et vous avez aussi fait partie de ce groupe génial, pas vrai? Effectivement, mon ami. En toute modestie, écoute, c'est moi, le même qui chante et qui danse, t'as vu ça? Très bon sang. Vous savez que vous êtes mon idole de tout le Pacifique, mon Dieu du ciel. Non, eh bien, faut pas exagérer non plus. Non, bon sang, c'est vrai, je vous assure, vraiment. Vous ne pouvez pas me signer, je sais pas, un petit papier, un autographe, du calme. Détends-toi, car tu es encore très affaibli, d'accord? Rallonge-toi ici. Ah, mais en fait, vous savez, ça fait beaucoup d'émotions en même temps. Écoutez, merci beaucoup. Sabrosura Nietzsche. Regarde tout, Lita. J'avais tout juste 20 ans. Ah, monsieur Roberto. Ah, j'avais une de ces tignasses. Viens, allez, suis-moi. Ça ne pose aucun problème. Suis-moi, allez. Comme on dit dans le jargon, à la prochaine. Mon cher Ivan, écoute, c'est bien ton prénom, non? Oui, monsieur. Tu ne sais pas ce que signifie ce disque pour moi. Moi aussi, j'en ai une copie. Ça a été le point culminant de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de travail, hein? Et ça a aussi marqué la fin des meilleurs moments de ma vie. La rumba du centre. En fait, juste après la sortie du disque, l'orchestre a pris fin. Et pourquoi ça? Tu sais ce que c'est la jalousie, l'envie, toutes ces choses incontournables? Ouais. Moi, ce qui me surprend le plus, en fait, c'est qu'un jeune homme comme toi, aussi jeune, soit l'un de nos plus grands fans. Bah, en fait, je suis pas vraiment un fan. Je crois plutôt que j'ai un lien direct avec vous tous, en fait.
Ah oui, vraiment? Et pourquoi ça? Oui, parce que je suis le fils d'Amparo Moreno. Regarde cette photo. C'était quand on a gagné la nouvelle coupe en 74, tu vois? Je venais tout juste d'arriver au club. Je n'étais pas encore titulaire. Mais ça a été une expérience merveilleuse. Parce que notre dernier coach a été Kéman Sanchez. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir jouer quelques matchs sous sa direction. Comment ça, ce type, en plus d'être un joueur, était aussi un coach? Bien sûr que oui, ce type était un vrai titan. Et moi, j'ai beaucoup appris de Kéman. J'imagine. Regarde cette très bien. Autre photo. Ça, c'est quand on est presque devenu super champion en 77. Parce qu'en fait, le titre avait été remporté par le Cali. Mais à ce moment-là, j'étais titulaire. Eh, bon sang, écoutez où, Nico? Ça, c'est une histoire sacrée pour moi. J'ai vraiment l'impression d'être au Vatican du football et que vous, vous êtes le pape, vous savez? Arrête de dire toutes ces bêtises. Non, c'est vrai. Écoutez, laissez-moi vous dire que faire votre connaissance a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis mon arrivée à Tabogo. Bon, et celle de Madame Hortensia aussi, évidemment. Et dis-moi, ça s'est si mal passé pour toi, mal, dans cette ville? Mal, c'est peu de le dire. Excusez-moi. Tiens, bois un peu d'eau. Je vais vous raconter. Je suis venu dans cette ville parce que mon cousin devait me donner un coup de main, mais pour commencer, je n'ai pas trouvé ce type. Du coup, un soir, j'ai fini dans un bar, la bombe, et je suis sorti avec une fille. Vous savez qui était cette fille? Oui, sérieusement, sérieusement. Écoutez, je suis venu vous déranger ici parce qu'il y a deux jours, ma mère m'a avoué que l'un des musiciens de l'orchestre était mon vrai père, et moi, je veux savoir qui c'est. Ton père? À chaque fois que je raconte cette histoire, les gens font la même tête. Non, parce que c'est une histoire vraiment très étrange et longue, en fait. Mais pour une raison encore inconnue, ma mère m'a avoué que mon père, Abelardo, n'était pas mon vrai père. Abelardo? Oui. Oui, en fait, c'est le mari de ma maman. Et moi, du coup, j'aurais continué à croire que c'était mon vrai père si mon meilleur ami ne m'avait pas offert ce disque. Bien, du coup, en fait, tu es à la recherche de ton vrai père. C'est pour ça que je suis ici. Parce que je veux que vous, vous me disiez qui c'est. Moi? Ah, à présent, vous allez jouer les saints. Si tout le monde sait que vous étiez vraiment un dur à cuire. Écoutez, en fait, pour pas trop vous déranger longtemps, dites-moi tout de suite lequel de ces types est en fait mon vrai père, s'il vous plaît. Tu veux que je te le dise? Moi? Mon fils, viens une petite minute car j'ai besoin de toi. Oui, bien sûr, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne m'en sors pas avec toutes ces nouvelles technologies. L'ordinateur ne fonctionne plus, je suis paumé. Ok, allons-y du coup. Je reviens tout de suite. Tu veux quelque chose? De l'eau, un café? De l'eau, ouais. Ok, je demande tout de suite à ce qu'on t'en apporte. Merci. Viens, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Aide-moi parce que j'étais en plein mot croisé et l'écran est devenu tout noir. Qui a bien pu avoir l'idée d'inventer une telle chose? Allez, viens. Viens, regarde, il est là, il est où là, il est là, il est là. Vite, 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 vite. Ça va, les gars? Comment tu vas, va ma bien, belle? Dites-moi. Ça va, Xiomarita? Bien? Pas mal, oui, merci. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rien, on est juste en train de profiter de la plage. Eh bien, écoute-moi bien, parce que je viens de proposer un super plan qui va te faire sortir de l'anonymat. Ah oui? Et moi alors? Malheureusement, toi, t'es pas concerné. Dis-moi, Xioma, écoute, en quoi ça consiste, du coup? Je suis à la recherche d'un partenaire pour danser avec moi lors du concours de salsa du Canet. Et on m'a dit que t'es la personne idéale, alors t'en dis quoi? Non, je veux pas, merci pour la proposition, mais je refuse. Et pourquoi? Écoute, ma belle, je vais prendre mon temps pour t'expliquer. Je suis danseur, moi, tu comprends? Oh! Oui, mais je suis danseur professionnel, moi. Et alors quoi, hein? Moi, je vais me mettre à danser, là, comme ça, avec une reine de beauté pour qu'ensuite on me qualifie de danseur de concours, c'est ça? Ah, fais-le, bon sang, ce sera juste une petite minute. Écoute, ni une minute, ni deux minutes, ni une minute et demie. Écoute, trouve-toi un autre clown. Ah, bon sang, laisse tomber ce vieux râleur et viens danser avec moi et tu verras. Ah, parce que toi, tu danses bien? Comment? Écoute, ma belle, moi, je suis un excellent danseur de Sandunga, ok? Montre-la, Sandunga, montre-la nous, allez, montre-la nous. Regarde, voilà, voilà, regarde. Aïe, c'est super. Écoute, je suis pas sûre, là. C'est pas Diamantino, mais pourquoi pas? Vraiment? Vraiment. Ah, ma belle, j'hésite un peu. Eh bien, de toute façon, on n'a pas le choix, pas vrai? Ah, mon Dieu, bénissez-moi, c'est d'accord. Ok. Bon, c'est d'accord, je danserai avec toi. Maman? Ah non! Accroche-toi parce que je vais casser la baraque, jeune fille. Casser la baraque? Tu bois ma bière comme ça? Ah, commande-en une autre? Ah non, commande-en deux. Ah. Hey, Tullio! En fait, je comprends, car tu vois, ce que t'as fait est impardonnable. Moi aussi, j'aurais bien voulu te tuer. Si c'est pas mon cousin qui me tue, c'est le froid de ce frigo qui va me tuer parce que je travaille comme gardien de nuit dans un bar. Et mon Dieu, c'est vraiment très dur. Bonjour, parrain, comment ça va? Salut, ma puce, comment tu vas? Ça va. Du coup, t'es pas mort finalement ou quoi? Grâce à Dieu, non, ma belle, parce que j'ai encore des doutes, tu sais. Parce que j'ai l'impression de voir un ange en face de moi. Cette femme est votre filleule, monsieur Unico? Eh bien, en réalité, c'est la filleule de ma femme. Elle vient d'arriver de Buenaventura parce qu'elle est venue pour étudier à l'université. Elle veut être avocate et elle travaille avec nous au restaurant en échange de nourriture, d'un logement et d'un peu d'aide que nous lui apportons non. ici. Ah, eh ben, qui ne voudrait pas être le filleule d'Hortensia, mon Dieu?
Eh bien, si ça t'intéresse, je peux lui en parler pour qu'elle te donne un petit coup de pouce. Comment ça ? Tu sais, l'un des aspects de cette femme, eh bien, c'est qu'elle adore aider les gens, vraiment. Et en fait, il n'est jamais trop tard, hein. Bien sûr. Oui, vraiment. Pas de problème. Eh, mon Dieu, merci beaucoup. C'est super. Beaucoup. Eh bien, ici, il se trouve qu'on a besoin de gens pour bosser. Si tu veux, on peut faire la même chose que l'on a faite avec Selmira. Elle travaille ici, on lui paye un petit salaire, et elle loge dans l'une des chambres de notre maison. Là où on se trouvait tout à l'heure. Ah, c'est parfait. Et où est-ce qu'il faut signer, du coup ? Non, voyons, tu n'as rien à signer du tout, mon garçon. Ta parole suffit amplement, hein. Ah, écoutez, je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci, monsieur Nico. Ah, merci énormément. Madame Hortensia, ah, mon Dieu, eh merci. Bien, il n'y a plus rien à ajouter. Apporte tes affaires, tes vêtements, et tu pourras commencer quand tu voudras. Non, mais vous savez, tout ce que j'ai, c'est ce que je porte en ce moment sur moi. J'ai vraiment rien d'autre. Du coup, je peux commencer dès maintenant, si vous voulez. C'est vrai, ça? Eh bien, retournez à la maison et réglez ce problème de vêtements. Eh bien, c'est dans oui, la monsieur, poche, comme mon garçon, tu vois. Merci énormément. Bienvenue, je vous remercie hein. Bienvenue, mon garçon. Je suis content. Tu es dans l'antre du Timbiki, mon vieux. Oui, tu monsieur. Es ici chez toi. Oui, monsieur. C'est la première fois que je suis heureux que tu aies interrompu ma conversation. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Lida? Rien, non, je ne sais pas. Je n'ai aucune nouvelle de Lida. Elle doit être fâchée parce que je ne l'ai pas vue. Mais en fait, il faudrait que ce soit toi qui ailles la voir, idiot. Pour l'instant, je n'ai pas la tête à penser à ça. Il s'est passé quelque chose de très important dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que le fait de sauver ton mariage? Écoute, écoute-moi. Tu as vu le jeune homme qui est dans mon bureau? Non, une minute. Ne viens pas encore me raconter l'une de tes aventures. Non, bon sang, n'aie pas l'esprit mal placé. Écoute-moi bien. Ce jeune homme est le fils d'Amparo Moreno. Et il est venu me voir. Elle lui a dit que l'un des musiciens de l'orchestre était son père. Et il est à sa recherche. Écoute ! Oh, non ! Mais dis-moi, quelle mouche t'a piqué ? Une mouche ? Non, c'est plutôt un scorpion. Ça donne l'impression qu'il est en train de faire une crise d'épilepsie. Non, mais quel scorpion ? En fait, ce que je suis en train de danser, ça s'appelle du freestyle. Free quoi ? Freestyle, c'est-à-dire en français, style libre. Ah, c'est pas vrai. Et comment quoi ça ? C'est la dernière mode à New York, mais dites-moi, faut vous mettre au goût du jour. Ah, et bien ça, c'est de l'autre côté de l'océan, parce que nous, ce qu'on aime, c'est danser. Danser en couple. Pas comme ceux qui se mettent à remuer comme ça, chacun dans leur coin, ok? D'accord, et bien allons-y, dansons ensemble, mais tu suis bien mes pas et tu ne me fais pas perdre le rythme, ok? Je préfère te le dire tout de suite. Allez, c'est reparti. Allez, on continue, il faut pas qu'on perde le rythme. 5, 6, 7 et... Allez. Alors dites-moi, mon vieux, comment vous me trouvez, du coup? Bien, il est presque à ta taille. Eh, bon sang, il est fait pour moi. Comme un smoking fait pour moi, comme vous le disiez, à ma taille et du grand Unico Quignones. Un bon sang. Tu pourras le garder jusqu'à ce que tu aies assez d'argent pour t'acheter tes propres vêtements. Si Dieu le veut, ce sera très bientôt, monsieur Unico, parce que je pense travailler d'arrache-pied. Moi, dans la journée, vous savez, je vais vous dire, je bosserai comme serveur et la nuit, je travaillerai comme gardien. Ah oui, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, mon garçon. C'est bien. C'est comme ça qu'on trace son futur et comme ça qu'on continue à avancer. À avancer, mon grand. À aller de l'avant, mon garçon. Oui, monsieur. On va aller se manger une soupe, je suis attention. Allons-y. Sois plus sérieux. Non mais sérieusement, c'est pas vrai. Tu as l'intention de me blesser ou quoi? Aïe, bon sang, ça peut arriver parfois. Ah, allez, allez, ouais, ouais. Écoute, je vais te tuer là. Non, va pas danser. Non mais tout simplement, pas besoin d'être violente. Brute. Ah, regarde dans quel état il m'a mise. Pardonne-moi, bon sang. Franchement, c'est les inconvénients du freestyle, ça peut arriver parfois. Je vais te montrer ce que c'est. Non, Choma, arrête. Ah, Ivan. Bonjour. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Écoute, je te présente mon père. C'est un plaisir. Ivan Moreno. Léon Jordan, je suis ravi de faire ta connaissance. Non, tout plaisir est pour moi. Et du coup, quoi? À présent, est-ce que vous allez me dire... qui c'est? Le truc, en fait, c'est que tu m'as pris par surprise. Et moi, je ne savais même pas qu'Amparo avait un fils. On t'a apporté de l'eau. Oui, merci. Bah, à présent, vous le savez. Et j'imagine que vous savez qui sortait avec ma mère à cette époque dans l'orchestre. Eh bien, oui, mais... Écoute, tu sais, en fait, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait clair pour moi. Mais je vais t'aider. Compte sur moi, je vais t'aider à retrouver ton père. D'accord.
Pour l'instant, eh bien, nous avons une réunion très importante avec des étrangers. Non, papa, on est un peu en retard. Quoi? Qui ça? Quels étrangers? Non, des étrangers, quoi. Oui. Ah, des étrangers? Ah, des étrangers, oui, bien sûr. Ouais, ouais, d'accord. Du coup, tu m'excuseras. Ouais, ouais, je comprends. Alors, du coup, on s'appelle demain, ok? Oui, bien sûr, demain. D'accord, bien et sûr. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, je serai là-bas, au numéro 19 des kiosques de Saoul. Ah, là où est Saoul? Je le connais, bien sûr, d'accord. Ok. Enchanté, hein. Eh bien, ça fut un plaisir. Je te souhaite une très bonne journée. Merci énormément. Bonne journée. Dis-moi, papa, à présent, bien, explique-moi. Pourquoi est-ce que tu as dit bonjour à ce jeune homme avec une telle effusion de tendresse? Mais tu me poses encore une fois la question? En fait, moi, je m'en suis rendu compte dès que je l'ai vu. Ce jeune homme, c'est sûr, il n'y a aucun doute à avoir. C'est bien ton fils. Et c'est mon petit-fils. Tu as un fils, le tigre. Un petit tigre. Danseur de pacotille, bon à rien. Ah, ma belle. Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, eh bien, j'ai eu l'idée stupide de demander à Ringo d'accepter d'être mon partenaire pour le concours de danse. Et ça a été un vrai désastre. Regarde un peu le bleu qu'il m'a fait à la jambe. Non, mais tu te rends compte? Ah, quel idiot celui-là. C'est un âne à deux pattes. Ah, non, maman, je te jure, je suis folle de rage. Regarde un peu ce qu'il m'a fait. Eh bien, participe avec ton père, comme on l'avait prévu depuis le début, ma belle. Ça n'est pas si grave. Non, maman, il ne s'agit pas de ça non plus. Tous les deux, vous formez un si joli couple. De plus, moi, je veux que vous preniez du plaisir lors de ce concours. Que vous dansiez, que vous resplendissiez. Ah, mais en fait, moi, je ne veux pas danser. J'ai accepté comme ça, sur le coup, de participer à ce concours pour vous faire plaisir à toi et à ton père. Mais en ce moment, tu sais, moi, je n'ai pas du tout envie de participer à ce fameux concours. Mais maman, moi, je pensais que ça te faisait vraiment plaisir. Eh, ma puce. Tu crois vraiment que la tristesse que je ressens du fait que ton frère ne soit pas ici à la maison va disparaître simplement en dansant? Non. Participe à ce concours. Danse avec ton père et sois la meilleure, ma belle. Maman, tu en es sûre et certaine? Sûre et certaine. Qui c'est le bébé de maman? Qui c'est le bébé de maman? Je t'aime. Sérieusement, maman. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Du coup, comment je vais faire, moi, avec ce maudit bleu? C'est très vilain, c'est très moche. Bonjour, princesse. Bonjour. Bonjour, madame. Et en pari tout, regarde comme je danse, hein. Droite, gauche. Eh, ça va pas? Eh, dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas changée? Parce qu'en fait, je ne vais plus danser avec toi, mon amour. Comment ça? Ah, tu déprimes à nouveau? Non, pas du tout. Ringo n'a pas été à la hauteur pour pouvoir danser avec notre fille et du coup, j'ai préféré qu'elle me remplace. Ah. Oh, danse avec elle, mon amour, d'accord? Tu sais à quel point ça va me rendre heureuse de vous voir danser tous les deux. Fais-le pour moi. Bon, ben alors, j'ai pas le choix. Ah, mais ne fais pas cette tête, là! Je te promets que je serai au premier rang pour vous encourager, ok? Ok. Et je serai vraiment très contente de vous voir tous les deux, ok? Non, non, ne réveille pas le lion. Ne la réveille pas, non. Allez, viens, viens. Viens. Non, 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 il n'y a aucun petit tigre. Ne raconte pas de bêtises. Ce garçon ne peut pas être mon fils. Excusez-moi de vous interrompre. Bonjour. Comment tu vas? Non, 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 ne t'inquiète pas pour moi, car moi, j'allais y aller. Je vous laisse. À plus tard, allez. Du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée parler avec mon gynécologue. Et je lui ai demandé si c'était une folie qu'à mon âge, je veuille être maman. Et il m'a dit que c'était tout à fait possible, qu'il faut en fait que je fasse toute une série d'examens. Et évidemment, il veut tous me les faire passer, mon amour. Lida, écoute-moi bien. C'est un caprice de ta part. Ok? Car avant que Louzma tombe enceinte, tu ne voulais pas avoir d'enfant. Oui. Oui, je l'admets. Le fait de l'avoir enceinte m'a fait me rendre compte de beaucoup de choses. Ça m'a fait mal de voir qu'elle attendait un enfant de ton père et qu'il soit disposé à lui offrir le bonheur d'être mère. Alors attends, mais comment ça tu vas danser avec ton père, Xiaomi?
T'as très bien entendu. Toi, avec ton style tout droit sorti de New York, tu danses super mal. Et moi, je veux pas avoir l'air d'un clown pendant le concours. Un clown ? Je suis pas folle. Non, ce qu'on va danser, c'est du freestyle, ma belle. En fait, on va apporter de la nouveauté à ce concours. C'est sûr et certain que personne ne va nous battre, je peux te l'assurer. Non, mais moi, je préfère ne pas prendre de risques et danser avec mon père le cha-cha-cha. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Écoute, poupée, et toi, pourquoi tu danserais pas avec moi ? Non, parce qu'en fait, laissez-moi vous dire une petite chose, les filles. Vous savez, le Ringo, vous ne trouverez jamais un aussi bon danseur que lui. Regardez. Ouille. Et encore moi quand je fais ce mouvement, vous avez vu ça? Non, mon vieux, on m'a déjà fait de meilleures propositions. J'y crois pas. Ok, et ben là, tu n'as plus le choix, Xiaomi. En gros, ou tu danses avec moi, ou on fait un trio avec ton papa, hein. C'est comme tu voudras, mais tu ne me laisseras pas en plan. Du coup, on se voit au canet, ok? Un baiser pour la princesse? Oui, mon chou, je t'appelle, ok? Oui, et moi, je t'attends, ok? Ma belle, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, dis-moi? Ne t'inquiète pas, toi, va te préparer pour te faire toute belle. Moi, je m'occupe de Ringo, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais t'inquiète pas, je te dis, je vais pas te laisser te foutre la honte comme ça, t'entends? Ah, ma belle, merci beaucoup. Je t'en prie. Va te faire toute belle. Ok. De quoi est-ce que tu manques? En fait, je ne parle pas d'argent. Tu as un époux. Et tu as un homme qui t'aime, et puis tu as une famille. Je n'ai pas d'enfant. Mon amour, comprends-moi. Je veux avoir un enfant, être mère, pour me sentir comme une femme comblée. Est-ce que tu comprends ça? Je veux savoir ce que l'on ressent en donnant la vie à un être humain qui a besoin de tout mon amour, de tous mes soins. Je veux le voir grandir. Et je veux pouvoir vieillir en sachant que je ne serai pas seule. Ne t'inquiète pas. Ne stresse pas, hein, ne stresse pas. T'es pas obligée de m'offrir ce plaisir. Mais moi, je veux avoir un enfant avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Même si pour ça, il faut mettre un terme à ce mariage. Lida! Papa, t'es super beau avec ce nœud papillon. Et voilà les gagnants. Les gagnants, ils sont tous en train d'arriver. Regarde, regarde, voilà Marie. Salut! Et voilà les gagnants, et voilà! Salut toi! Ça va ma puce? T'es super! Belle, tout est réglé, car on nous attend là-bas. On se voit tout à l'heure. Tu vas bien? Waouh, t'es sublime! Ah ma chérie, mais comme toujours, non? Du coup, tu as pensé à quelque chose? T'as encore des doutes ou quoi? C'est pratiquement dans la poche, du coup, alors détends-toi! C'est super, ma belle. Eh bien, du coup, on fait comme on a dit, non? Vas-y, vas-y, il arrive. Donne tout, ma jolie, d'accord? Lâche-toi. J'y vais, j'y vais. Ça va, ma jolie? Ça va, Ringuito? Et dis-moi, t'as l'air bien pressée, allez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout. Ah, je veux discuter d'un truc qui nous concerne. Écoute, écoute, attends, attends. J'ai bien entendu. Toi et moi? Oui, toi et moi. Et qui d'autre? Écoute, tu te souviens de la fois où on était ici tous les deux au canet et que toi, t'étais complètement ivre et que t'as commencé à me draguer avec insistance, tu t'en souviens? Mais évidemment, ma princesse, pourquoi? Écoute, maintenant que tu m'as dit que t'allais participer au concours... Eh ben, je sais pas, j'ai commencé à penser à tout un tas de choses et je veux bien que toi et moi, on en discute. Et qu'est-ce que tu attends de moi, ma poupée? En fait, on va pas pouvoir en parler ici. Bien. Hey, tu es vraiment ouverte à toute proposition ou en fait, est-ce que c'est moi qui suis irrésistible? Écoute, mais viens, t'inquiète pas, ça va aller. Où est-ce que tu m'emmènes, dis-moi, Marie? Ah, mais c'est quoi ça, écoute? Détends-toi un peu, ok? Ah, à présent, eh bien, mon amour, raconte-moi. Dis-moi tout, car moi, je t'adore. Ah, et Ringuito, en fait, tu sais, depuis qu'Ivan est parti, je me retrouve sans mon meilleur ami, tu comprends? Ouais, je te comprends, je te comprends. Et je me suis vraiment sentie si seule. Du coup, j'ai pensé que toi et moi, on pourrait se donner une chance. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, mais évidemment, ma belle, vraiment, tu sais très bien que moi, je t'adore, que toi, tu es la femme qui me fait tourner la tête, hein. Vraiment? Alors, on peut essayer? Mais bien sûr. Ringuito, mais attends, 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 dis calme, dis oui, calme, dis calme. Ferme tes petits yeux. Je veux te donner quelque chose de plus qu'un baiser. Oh, j'adore. Garde les yeux bien fermés, d'accord? Bien fermés, bien fermés. Mais reviens, Marie! Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu vas te payer, tu m'entends? Mais arrête, c'est vraiment pas drôle, bon sang! Ça n'en restera pas là, je peux te l'assurer, Marie! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, non. Non, rien, ma belle. C'était seulement pour que... Eh bien, pour que tu saches qu'on va souvent se croiser dans cette maison. Et on se croisera aussi au travail. Et bien sûr, on se contentera de ça. Comment ça? On sera même pas amis, ni rien?
Non, même pas, en fait. Moi, je suis pas venue pour me faire des amis, je suis ici pour étudier. Et puisque t'as ouvert la porte, s'il te plaît, referme-la après. Mais quel caractère de cochon, non, mais... Ah. Bien fort. Ouais, regardez, regardez, regardez. En fait, les pieds dansent tout seuls. Très bien. Je veux qu'à présent, on accueille sous un tonnerre d'applaudissements la salsa band. Ouais, ah, c'est quoi cette tenue de sport, hein? Si tu savais ce qui m'est arrivé, tu connais l'antre du Timbeki? Oui, oui, j'y suis allée manger plusieurs fois et c'est très bon d'ailleurs. Hein? Très bon? C'est le meilleur restaurant du Pacifique ici à Tabogo, ma belle. Imagine-toi l'odyssée que j'ai vécue là-bas, moi. J'y suis allée pour manger. Eh bien, j'étais tellement faible et j'avais tellement faim, ils m'ont servi une délicieuse soupe vraiment très très riche en calories. Devine ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu la tête qui tournait en plein restaurant et je me suis évanouie. T'es sérieux? Mon Dieu, je t'assure. Heureusement que les propriétaires se sont révélés être des gens très gentils, tu comprends? D'une certaine manière, ils m'ont ramené à la vie et... devine quoi? Quoi? Ils m'ont proposé du travail en échange. Et puis aussi un peu d'argent, de quoi manger et le gîte et le couvert, en gros, tu comprends? Oui, c'est vraiment ça. Non, eh bien, bien sûr que c'était génial. J'étais au fond du trou, enfin la roue tourne pour moi, mon Dieu. Attends, ça veut dire que tu viens me dire que tu démissionnes? Oui. Comment tu peux penser ça, ma jolie? En fait, j'ai une idée. Mon idée est de travailler là-bas dans la journée, tu vois? Et comme ça, tous les soirs, je serai ici au rendez-vous pour pouvoir être avec toi, tu me comprends? Et comme ça, je pourrai appeler ma petite sœur et ma mère pour qu'elles puissent vite venir ici. Et mon super pote Ivan pour qu'on puisse enfin monter cet orchestre comme il se doit avec tous nos potes. Eh bien, je suis vraiment contente que tout se passe bien pour toi. Merci, mon amour. Et concernant la tenue que tu portes, en fait, tu vas aussi jouer au foot pendant ton temps libre, hein, c'est ça? Non, ça, c'est la meilleure partie de l'histoire. Figure-toi que Madame Hortensia est la propriétaire du resto. Et devine qui est son mari? Le crack Unico Quiñones, hein? Ce type est le meilleur gardien des Bleus de toute l'histoire. Eh bien, cet homme m'a vu comme ça, en fait, avec presque rien sur le dos. Du coup, il m'a prêté ça, je sais que c'est un peu trop grand pour moi et tout ça, mais pour moi, c'est une fierté de pouvoir porter ça. Une fierté. Ce que je ne sais pas, c'est si ça ira avec ce que je t'ai acheté. Ah, voilà, bon? C'est un manteau bien chaud pour que tu n'attrapes pas froid tous les soirs ici à ma porte. Quoi, c'est pour moi? Essaie-le. Alors, comment tu me trouves? Très bien. Tu es pour moi un peu comme mon ange gardien. Merci énormément. Bon, au travail. Allez, allons-y. Viens, on y va. Allez. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est n'importe quoi!
s'il vous plaît, laissez-moi passer, je suis l'ami de Saoul. Nous, nous sommes le prolétariat, mais on mérite malgré tout le respect, oui monsieur. Et vous devez nous respecter. Hey, qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoute, c'est ces types là, ces messieurs de l'oligarchie envisagent de fermer nos kiosques parce que nous ne prenons pas en compte la déclaration d'impôt de location et toutes ces bêtises. Ah! On vous a offert l'opportunité de légaliser votre situation et vous ne l'avez pas fait. On va donc devoir agir de gré ou de force, du coup. Eh bien, vous allez devoir utiliser la force, hein, monsieur? Vous ne nous ferez pas partir d'ici, non, monsieur? Nous, ça fait des lustres qu'on travaille ici sans que personne ne nous demande le moindre papier. Du coup, c'est pas maintenant que vous allez le faire. Ou vous partez de votre plein gré, ou tout simplement, nous allons autoriser la police à vous virer de force. Non, vous allez nous virer de nulle part, non, monsieur? Hey, du calme, du calme, du calme. Calmez-vous. Et s'il s'engage à obtenir ces documents dans une semaine? Eh bien, nous pourrions reconsidérer la question, mais je ne crois pas qu'ils puissent les obtenir aussi vite. Je suis administrateur public diplômé et je m'engage à ce que dans moins d'une semaine, ces documents soient bel et bien prêts. Nous allons procéder aux inscriptions et légaliser toutes vos affaires pour qu'on puisse vous laisser travailler comme vous le souhaitez. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis entièrement d'accord. Si c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour que vous ne nous confisquiez pas notre affaire, eh bien on va le faire. On reviendra dans une semaine. Et si jamais tous ces documents ne sont pas en règle comme il se doit, on embarquera tout ça. Allons-y, allons-y! Vous avez été merveilleux, on dirait deux étoiles brillantes autour du soleil, je suis si fière de vous. Merci. Et tu as vu, papa? Tu as vu ce swing un peu quand il a fait tomber son chapeau? C'est si élégant. Mais qu'il est bien là. J'aimerais te toucher un mot, tu entends? Écoute, c'est une chose que tu ne veuilles pas que je danse avec Xiomara et c'en est une autre très différente que tu joues comme ça avec mes sentiments, c'est clair? Écoute, pardonne-moi, mais il fallait que tu tombes dans ce piège parce que tu voulais pas comprendre que Xiomara voulait pas avoir l'air d'un clown au bras d'un type qui sait ne faire que se mettre en scène en gigotant et remuer comme une baleine les cheveux sur la plage. Ok, mais écoutez, que ce soit bien clair, que ce soit bien clair, vous allez vraiment regretter ce que vous m'avez fait. Vous allez voir de quel bois se chauffe Ringo. Arrête de les menacer, respecte-les, ok? Non. Non, excusez-moi, monsieur, écoutez, vous, je vous respecte. Mais ce qu'elles m'ont fait est vraiment impardonnable, vous savez, et... Et vous verrez, ça n'en restera pas là. Comment ça s'est passé avec Lida, dis-moi? Non, je te raconte pas. C'est pire que ce que tu peux imaginer. Le gynécologue lui a dit que oui, qu'il était fort possible qu'elle puisse avoir des enfants à son âge. Et elle s'obstine à en vouloir un avec moi ou avec n'importe qui d'autre. Comment ça, n'importe qui d'autre? Ah, réponds à son besoin et fais-lui plaisir, écoute. Papa, je ne veux pas avoir d'enfants, c'est clair et net. Puisque tu en as déjà un. Ivan n'est pas mon fils. Ah, ne nous voilons pas la face, car toi et moi, nous savons que si. Que c'est bel et bien ton fils. Regarde comme la vie est paradoxale. Lida te réclame un enfant. Et subitement nous apparaît celui que tu voulais avoir, avec cette déesse d'ébène. J-T-T-T-G. J-T-T-T-G. Quoi, quoi? En fait, je te trouve très, très grave. Ah, accompagne-moi plutôt, ok? Où ça? On va aller au 19 de la rue de Saoul. Il faut que je lui parle. Pour ne plus avoir l'air aussi grave. Allons-y. 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 Que notre jury qualificateur examine quels sont les finalistes et qu'il nous passe la liste, d'accord? Aïe, écoutez, écoutez, c'était apparemment très bien, c'était très rapide, très rapide. Est-ce que vous l'avez déjà? Eh bien, en fait, messieurs, dames, surtout ne vous emballez pas, parce que c'est une fausse alerte. Oui, notre jury, présidé par cette magnifique dame tigresse, vient de m'informer qu'il y a un nouveau couple participant qui va, et oui, concourir! Ils vont concourir, ils passeront en dernier! Eh bien, sans plus attendre, accueillons sous une pluie d'applaudissements ce cher Ringo et Candelaria!
non, non, je ne peux pas permettre ce sacrilège ici. Je ne permettrai pas ça, Diego. Cette femme ne peut pas danser ici. Viens, 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 viens. Viens. Ah, je suis désolé, monsieur Abelardo. Je ne peux pas permettre une telle chose. Vous savez qu'ici, nous ne discriminons personne. Et encore moins pour sa race, ni pour sa condition sociale. Et à présent, encore moins en raison de la façon dont elles gagnent leur vie. Elles gagnent leur vie comme elles peuvent, c'est clair? Très bien, il ne s'est rien passé ici. C'est parti, mon vieux Rengo, c'est quand tu voudras. T'es même pas en train de danser. C'est pas un concours de danse, ça, ou quoi?